Il est vrai que le livre des Actes des Apôtres contient 28 chapitres. Mais je crois aussi que Dieu, dans ces derniers temps, est en train de susciter des hommes et des femmes pour la continuité de l'œuvre apostolique en écrivant le 29e chapitre du livre des Actes des Apôtres en prêchant le royaume de Dieu. C'est avec ce même désir que je vous présente cette nouvelle émission nommée Actes 29 dans le but de vous aider à comprendre le royaume de Dieu et pour vous aider aussi à marcher comme un vrai citoyen du royaume de Dieu. Shalom, vous saluez nous très fort dans le nom de Jésus. Merci à tout le monde qui était fidèle avec le travail que nous avons fait sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, que nous utilisons pour que nous capables de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc, je vais te remettre jeudi, à continuer avec le même sujet, qui c'est Dieu veut que nous portions du fruit pour son royaume. Sans plus tarder, sur la Bible, ouvrez-la avec moi dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers ce arbre pour voir s'il y trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, parfois dit quelques leçons que je fais passer, quelques messages que je fais passer, dit seulement poser en action, et en deux actions ça, il tient à ce que disciples ou foule yo joignent quelque chose. Par exemple, dans Jean 13, verset 12, 15, bon, lit pour nous, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus-Christ est venu après monsieur yo, servir yon l'autre, humilité, un amour fraternel. Li pa commencer pour dire premier point, deuxième point, troisième point, li poser en action. Et le final dit monsieur yo, mais qui ça me veut nous apprendre en dans ça me souhaite faire là. Mais c'est de la même manière texte que nous li pour. Yon scène qui déroulait entre Jésus et un figuier. Quand que Jésus-Christ voulait apprendre nous certaines choses par rapport avec ce qui s'est passé entre lui-même et figuier ça. Maintenant, qui le sont que bon Dieu ou bien Jésus-Christ veut nous apprendre par rapport avec ce qui s'est passé? D'abord, nous bon essayer mettons au contexte du texte. La Bible dit Jésus-Christ est fini rentrer de manière triomphale à Jérusalem. Il a fini chanter pour lui et puis après la lentement il a commencé un petit peu tard de retourner à Béthanie. Jésus-Christ pas de gain à Jérusalem parce qu'il pas demeuré là. C'est lorsque il a fait les comptes descendre, après ça il était plus souveraineté à Capernaum. Théologie ou dit c'était peut-être dans la maison de Pierre. Mais lorsque il est à Jérusalem, soit il passe une nuit là sur le mont des Oliviers avec Apotio, ou bien il rentre à Béthanie, peut-être la caille Lazare, Marthe et Marie pour te passer une nuit là. Donc lorsque la retourne de Béthanie pour le rentrer à Jérusalem encore une fois, nous voyons un pied figue François bon sous chemin. Hein. Il allait pour approcher pour le manger et puis pas joindre qu'une figue là-dedans, Bible dit Jésus-Christ maudit pied figue François là. Juif yo te kon consommer en pile figue et te kon planter en pile pied figue France par rapport avec en pile profit ou bien bénéfice qui ont été joindre par rapport avec pied ça. Par exemple, le pied figue France te kon bay pour n'importe 3 récoltes par saison. Le pour pied figue France te bay fruit même c'était été, c'était l'air ça, c'était été. Mais il te commencé bay depuis à partir de avril parce que il te kon bay n'importe 3 récoltes. Et dans culture juive là, tout juif te kon ça, lorsque la bay 3 récoltes, première récolte là il était pour tout le monde. Ça veut dire, à partir de avril, dans la première récolte, tout le monde doit avoir un pied figue France et pour approcher ou manger là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais tu toujours dit, deuxième récolte, avec troisième, c'était toujours pour mettre pied figue France là. Et le bagage encore, un pied figue France, c'était qu'on bail près de 1550 figues par saison. Vous voyez, tu as un pile bel avantage là-dedans. Et Jésus-Christ, qui lui-même qui était grand, selon Jean-Marc, explique nous, il approchait pour voir est-ce que tu as gagné fruit
Bible dit, Jésus-Christ maudit. Maintenant, lorsqu'un pied fil prince commence à bafouiller, le plus souvent, il est un petit peu très difficile là, de l'un pour constater ça parce que au commencement, figure même couleur avec feuille, il est vert. Il faut approcher pour que vous connaissiez est-ce que c'est un mal là-bas fruit ou pas. La Bible dit lorsque Jésus-Christ approchait, il ne va pas fuir, il maudit. Maintenant, quelle leçon que Jésus-Christ voulait nous apprendre par rapport avec ça? Premièrement, c'est que nous ne devons pas être fructueux par saison. Dans verset 13, la Bible dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Parce que nous c'était en avril, vraiment saison, vraiment époque côté que on pied figue France qu'on toujours bail fruit, c'était toujours en été. Malgré ça Jésus-Christ, malgré pendant saison, Jésus-Christ maudit. Juste pour être capable apprendre nous même en tant que les enfants de Dieu, en tant que les citoyens du royaume de Dieu, nous pas supposer gagner autant côté que nous fructueux. Et autant côté que nous stériles. Parce que bon Dieu investit dans nous pour ça. Jésus-Christ était présent à la femme samaritaine comme étant source de l'eau qui baille la vie. Et nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous plantons dans ce ça. C'est pour ça que bon Dieu veut nous bailler fruit dans toute saison. Comme Paul dit à Timothée, prêcher la parole insiste en toute occasion, favorable ou non. Mes frères et sœurs, peu importe situation, circonstance, peu importe difficulté que vous avez traversé, matin ou bien après-midi, peu importe l'heure que vous attendez, enseignement, ça veut dire bon Dieu veut nous bailler fruit. Parce que vous plantez en Jésus. Pas oublier l'histoire que je vous raconte dernièrement concernant un pied figue France et un jardin vigne. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui plantait un pied figue France dans un jardin vigne, malgré ça, il y a des fruits. Et je vous dis, nos points de vue, sur le plan agriculture, toujours bon, leur font jardin pour planter. Chaque plante n'a pas parti pour couper pas. Vous mettez figue à part, vous mettez raisin à part, vous mettez chaque à part en groupe. Mais monsieur, ça, il prend un grain de pied figue France, il fourre le jardin vigne, il va raisin. Malgré ça, il veut pour tes fruits. Cela veut dire, malgré ça, celle qui était figue dans le jardin, hein, pas de l'autre figue, il était entouré avec un paquet de bonnes plantes qui était pas de même nature avec lui, mais le jardin a été fait pour tes fruits. C'est de la même manière pour moi et pour vous. Malgré nous placer dans le monde comme des enfants de Dieu, nous entourer avec des gens qui pas de la même, qui différents de nous-mêmes, de manière, au point de vue nature, nous pas de même nature ensemble avec eux. Malgré ça, bon Dieu voulait nous pour tes fruits. Bon Dieu veut nous porter fruit, pas par saison, peu importe circonstance, là, peu importe situation, hein, bon Dieu veut nous porter fruit. Deuxième leçon que Jésus-Christ veut nous apprendre de ça, c'est que nous ne devons pas donner l'apparence d'être fructueux. N'entends ça, tout juif te connaît, lorsque il y a un pied figue France à donner, feuille toujours poussée, même le avec figue. Yon nan signe qui a montré ou qui a dit que pied figue France a une figue là-dedans, sur le rôle commence à gagner pile feuille. Depuis le gagner pile feuille, il y a un message que il fuit. Et aussi, la Bible dit dans verset 13 là, que figue ça a été couvert de feuilles. Ça veut dire figue a été un message que il fuit. Mais là, Jésus-Christ approchait le rôle par lequel il fuit. Jésus-Christ maudit. Mais frères et sœurs, même si j'ai bon Dieu raï, même si j'ai bon Dieu raï adultère, vol, viol, mensonge, c'est comme ça bon Dieu raï complètement sa parole de hypocrisie. C'est un dangereux, c'est un danger lié. Lorsque un chrétien ou stérile, mon vle fait tout pareil comme étant un chrétien fructueux. Bon Dieu raï complètement ça. Plutôt paraître dans la sincérité ou admettre que vous stérile, bon Dieu a fait grâce. Mais lorsque vous stérile, mon fait comme si vous fructueux. Bon Dieu, raille complètement ça. Et si on a exhorté Jésus-Christ, c'est toujours exhorté les pharisiens très dur. C'est toujours dire hypocrite. Le mot hypocrite en grec, c'est hypocrites, qui veut dire agent de théâtre. Lorsque je parle de théâtre, nous avons une figure qui est très populaire en Haïti, que nous, en plus de nous comprenons, c'est par exemple, on prend l'exemple de Désirable. Lorsque je me suis regardé Désirable longtemps dans la télévision, et puis lorsque je viens regarder de la vie réelle, c'est difficile pour me dire quoi. Parce que monsieur, je me connais dans la télévision, je me blanche. Mais là, monsieur, ça, moi, il n'y a pas de barbe blanche. Monsieur, dans la télévision, son petit bâton, moi, il connaît pour marcher parce qu'il était grand monde. Mais là, moi, la vie réelle, moi, il est jeune garçon. Mal vu quoi. C'est après, je viens peut-être de voir, je viens de voir, ni la télévision, ni la parler de la vie réelle, similaire, je viens quoi que c'était lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le théâtre, le son agent de théâtre, il a une forme que le paye. Il fait comme si le grand monde, mais le jeune garçon. C'est ça, hypocrisie. Il a une forme. Ou bien une apparence qui n'est pas ça du tout en réalité.
Pharisiens ont été par forme que le foutu. Mais il y a de langue, faire prier dans toute la rue, par au moins de manière publique pour faire mon ouais. Et pourtant, Jésus-Christ est Dieu, c'est des tombes blanchies. Mes frères et sœurs, faites très attention. Pas jamais afficher un comportement d'hypocrisie. Parce que bon Dieu raillit. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Encore une fois, j'aime juste pas répéter, mes frères et sœurs, soyez fructueux. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a deux bagages que je souligne dans le verset. Premièrement, Jésus-Christ dit, choisis-nous, m'établis-nous pour deux raisons. Premièrement, pour nous capables d'aller porter fruit. Ça, comme la volonté de Dieu pour nous, c'est pour nous porter fruit. Deuxièmement, dit, et que votre fruit demeure. Ça veut dire, bon Dieu, pas seulement veut nous porter fruit pendant deux premières années de convertir, mais pendant cinq premières années de convertir, mais bon Dieu voulait pour fruit nous demeurer. C'est pas l'un des faits convertir nous te bailler. Il y a récolte, nous te porter fruit, après quelques années nous descendons. Non, bon Dieu voulait pour fruit nous demeurer. Par contre, si nous connaissons l'histoire, parabole du semeur, lorsque monsieur a semé, la Bible dit, il semé en pile côté, pas jamais gagné passé. Mais lorsque le semé de la bonne terre, la Bible dit, il y a fruit produit. Mais, il donne des coïncidences, c'est que le premier récolte n'a pas 60, le deuxième n'a pas 30, le premier récolte n'a pas 100 graines, le deuxième n'a pas 60, le troisième n'a pas 30. Et c'est ça, bon Dieu, parler pour moi-même ensemble avec vous. Les pèlerins chrétiens, lorsque vous faites convertir, vous avez une bonne terre. Tu es un chrétien fructueux quand ton style de vie reflète typiquement le style de vie de Jésus-Christ. Ou son chrétien qui est fructueux lorsque style de vie reflète le style de vie de Jésus. Lorsque vous vivez selon à la manière de Jésus. Et les autres sont chrétiens qui sont fructueux. Lorsque tout le monde regarde, vous avez une idée de comment Jésus-Christ vive. Tu es un chrétien fructueux quand ton style de vie donne une idée de comment Jésus a vécu. Le style de vie a une idée de comment Jésus-Christ vit. Le ça. Le tout le monde dit, ah ok, c'est ok. Il y a une idée de comment Jésus-Christ vit parce que vivre lui reflète le style de vie de Jésus-Christ. C'est le ça où son chrétien qui fructueux. Pas penser au fructueux parce qu'on jeûne 7 fois par semaine. Pas penser au fructueux parce qu'on fait plus de 40 jours de jeûne. Mais son chrétien qui fructueux. Lorsque vie suffit pour mener l'homme à la repentance. Et aussi, lorsque vie, c'est un modèle, un exemple à imiter. Ou son chrétien qui fonctionne lorsque bon Dieu a utilisé vie comme une prédication pour prêcher l'homme. Le l'homme monde gado pour dire non, je ne vais pas bien vivre. J'ai un tel vivre, c'est comme ça mon Dieu vivre. C'est le même, le monde n'a pas un monde dit, je ne vais pas chrétien ça non, mais un tel vrai a fait l'évangile tout bon. Le monde rend un bon témoignage d'eau, qui était chrétien, qui était païen. En plus, nous même chrétiens souvent dit, ça fait ça, mon dit, c'est vrai, nous pas besoin, nous pas supposé quitter attention fixée sur ça, mon âme dit. Mais en plus, nous besoin prêter attention avec témoignage et tout. Parce que même le Fils de l'homme, une fois, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Non seulement vie ou vie devenir une prédication, mais aussi ou devenir un exemple, un modèle à imiter. Lorsque, en tant qu'un jeune garçon, lorsque tout parent a parlé avec le jeune garçon, l'autre jeune garçon petit, il dit, pourquoi ça va vivre tant qu'un tel? Pourquoi ça va avoir un comportement tant qu'un tel? L'heure, ça, où son chrétien fructueux. Lorsque mon gars utilise comme un échantillon. C'est ça que mon remet David. Lorsque il voulait évaluer œuvre d'un roi qui était passé lors de l'époque d'Israël, dans juge, dans chronique, un roi de roi, il était utilisé David comme étant un échantillon. Si roi a été fait un beau bagage, il dit, ok, roi, ça a été suivre les traces de son père David. Si vous êtes mal agi, vous dites, ouais, ça, vous êtes marché de manière différente de Jean David lui-même était vécu. David est devenu un échantillon, un emblème, un exemple à imiter. Lorsque vous êtes chrétien comme ça, vous êtes chrétien qui fructueux. Mais il faut dire ça pour me terminer, je dis aussi que Dieu veut que nous portions du fruit et aussi de bons fruits.
pas seulement des bons fruits, mais aussi des mauvais fruits. Il y a des gens qui peuvent fuir, mais qui peuvent mauvais fruits. Par contre, ce que nous avons pu boire des fruits, mais pas qui peut manger. Parce que soit le ronger le verre, soit le pourri, ou bien pas qu'on est. Mais c'est même bien, il y a des chrétiens qui peuvent fuir, certes, mais pas des bons fruits. Paul dit, l'un des dans le monde, il y a des fruits pour la mort. Ça veut dire que les fruits, c'est les fruits de la mort. Et aussi, Jean-Baptiste, plus fort, Jean-Baptiste dit, toute plante qui va porter bon fruit, toute arbre qui ne peut pas de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Des bons fruits, des mauvais fruits. Lorsqu'on porte bon fruit, c'est lorsque vous portez fruit dans l'objectif pour glorifier le nom de Jésus. Mais fruit dans les mauvais, lorsque vous avez un objectif pour glorifier votre nom. Il y a des gens qui prêchent un peu, qui cherchent à amener des gens à la repentance, qui utilisent les ressources pour prêcher, qui font un pile gros bagaille. Mais c'est pour capable apparaître, c'est pour capable faire apparaître. Les conseils, c'est vous portez fruit, vous portez de mauvais fruits. Vous portez de bons fruits, lorsque fruit vous portez à, qui glorifie le nom de Dieu. Jean 15, 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mon Dieu voulait nous porter fruits, mais aussi du bon fruit. Porter de bons fruits, c'est lorsque vous portez fruits dans l'objectif pour glorifier le nom de Jésus. Donc, c'était ça que nous avons dit ensemble avec vous. Nous avons dit plusieurs points ensemble avec vous. Premièrement, nous avons dit deux exemples que mon Dieu voulait nous tirer par rapport avec Saint en Jésus-Christ et Fidia. Premièrement, nous passons vos porter fruits par saison. Toute saison, dans toute situation, bon Dieu veut nous porter fruit. Deuxièmement, nous ne devons pas donner l'apparence d'être fructueux. Nous ne pouvons pas se faire comme si nous fructueux et pourtant nous stériles. Et aussi, nous te disons aussi que non seulement bon Dieu veut nous porter fruit, mais aussi pour nous porter fruit de manière éternellement. Ça veut dire pour fruit durable. Pour porter fruit pendant tout le temps à vivre ici-bas jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Et aussi, nous te donnons quelques exemples, quelques critères qui sont capables d'identifier est-ce qu'un chrétien fructueux ou pas. Pour me dire capable de permettre à ce qu'on n'ait pas de confusion. Vous êtes pour le penser fructueux ou qu'on pense fructueux et pourtant stérile. Ou qu'on pense stérile et pourtant fructueux. Mais nous avons quelques exemples. Et à la fin, nous disons non seulement bon Dieu veut le côté fruit, mais aussi de bons fruits. Nous disons mauvais fruit, c'est le côté fruit pour glorifier. Non, mais bon fruit, c'est le côté fruit, un objectif pour glorifier le nom de Jésus. Merci à vous-même qui êtes branché. Prochainement, nous allons parler comment un chrétien capable de produire fruit pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Jacques-Mi Tujoudil, je vous remercie en pile. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner.